Bonjour Laurent. Bonjour Patrice. J'espère que tu vas bien. Ça va? Ça va? Ça va très bien. Bon. Tu es professeur à l'école de musique et danse à Winsenheim. Depuis combien de temps déjà tu es professeur à cette école? Donc à l'école de musique de Vinzenheim, ça fait 2 ans que je suis professeur de guitare. Professeur de guitare. Très bien. Alors actuellement, on travaille de façon un peu adapté, c'est-à-dire qu'on fait des cours individuels au sein de l'association. Et par contre, nous avons initié un projet, un concert pour la fête de Noël, je crois. Oui, c'est ça. Alors effectivement, les circonstances dues au Covid font qu'on est obligé de travailler avec les élèves à distance et ça implique de construire des projets d'une manière différente. Et donc cette année, l'idée, c'était de construire un projet autour d'un conte dans lequel les professeurs interviennent et sur la création d'une musique originale. Alors je crois que tu étais pleinement impliqué dans le projet dès le début. Si tu peux m'expliquer un peu quel est ton apport par rapport à ce projet. Alors, ce projet tourne autour d'un conte où il est question d'une chorale de trois pingouins. Donc, il y a toute une histoire autour de ça. Je ne vais pas révéler vraiment l'issue Non, non, du pas, non, non. conte. Je maintiens le suspense. Attention. Et donc, moi, ma contribution, c'est d'écrire une musique à partir de ce conte. Très bien. Et donc, tu t'es mis en place, enfin, t'as mis en place vraiment une écriture spécifique. Tu as réécrit, finalement, c'est ça? Voilà, Oui. donc effectivement, dans le conte, il est déjà organisé d'une certaine manière. Il y a un plan qui n'est pas musical, hein, puisque là, on est typiquement sur un conte. Et l'idée, c'est de calquer un plan qui soit, lui, musical, sur celui du conte. Très bien. Donc là, aujourd'hui, on en est où? Alors là, aujourd'hui, eh bien, la musique est écrite. Voilà, c'est des notes sur une partition. Donc ça, c'est pas encore tout à fait de la musique, mais ça nécessite la contribution d'un certain nombre d'interprètes qui, eux, vont créer la pièce et en faire une musique audible par tout le monde. Très bien. Alors la prochaine étape, les partitions, et ensuite, il y aura les répétitions. Donc les répétitions vont être prévues pour le 19 décembre, et puis un concert à la clé qui sera enregistré et filmé pour que tout un chacun puisse écouter le résultat de votre travail et de ton travail, Laurent, par rapport à cette écriture. Voilà, tout à fait, ça c'est la suite des étapes. Donc il y a cette partie d'écriture qui est réalisée. Ensuite, effectivement, les interprètes, eux, vont travailler la pièce moyennant quelques répétitions, puis ensuite la créer avec un conteur qui lui racontera l'histoire dans laquelle s'imbriquera la musique. Très bien. Merci Laurent d'avoir De rien. consacré quelques instants pour nous préciser et nous expliquer un peu ce concert pour le 19 décembre, concert qui aura lieu à Winsenheim. Vous en saurez plus pour les prochaines nouvelles. À bientôt. À Laurent, à bientôt. bientôt.